sens que je vais encore avoir la chiasse, je sens que j'ai encore pété un coup ce soir. Eh, je suis très c'est pas bon. Eh, je suis encore énervé à cause de la Monaco là, déjà avec les gilets jaunes. On bloquait tout et n'importe quoi. Hein? Résultat, j'ai pas de panaché, je me tape encore un jour sans panaché à cause des gilets jaunes. Hein? Deux défaites de suite en championnat, c'est plus possible. On va faire quoi? Ah, je suis énervé là, rien qui va dans ce rocher. Bon. Ah, tiens, bloc-note, c'est parfait. Tiens. Allez hop. Okay. Une petite lettre au Père Noël. Bon. Cher Père Noël, c'est Oxvenom qui écrit cette lettre. Alors, pour Noël, je voudrais des bons joueurs, à savoir Fabregas, Michy Batshuayi, Pépé, Yannick Ferreira Carrasco. Et plein d'autres si possible, suivi de Dr House en tant que préparateur physique et l'équipe de Grey's Anatomy en tant que médecin, tout en espérant que ça se passe très bien. Si c'est le cas, en tout cas, merci Père Noël, bisous, signé Oxvenom, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003. Voilà, c'est dans la boîte. Il n'y a qu'à trouver une enveloppe et l'envoyer à la poste. Comme ça, on aura des bons joueurs. Hein? La belle petite trempe, là. Eh ben bonjour, mes chers monégascous. Nouvelle vidéo, nouveau débrief. Ça va, tranquille, les monégasques? Fais la fête? Encore un match avec une défaite? De 3-0 face à Lyon, vous a pas suffi? Et là, l'histoire se répète, 2-0, face à Guingamp, et dernier du classement. Hein? Commencez pas à m'énerver, les monégasques. Déjà que je suis en manque de panaché. J'ai fait tous les magasins, sans rupture. Les bars, sans rupture. À un moment donné, qu'est-ce que je vais faire? Parce que le panaché Monaco, c'est sacré. Et aussi pour les monégasques. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet. Un petit message aux haters. Bon, les haters, vous pouvez venir, y a pas de souci, mais juste fermez-la. Et surtout toi, là, le haters en question. Hein, je vais pas dire ton nom parce qu'après, tu vas t'exciter. Déjà, je t'ai dit de venir sur Insta. T'es venu, d'entrée de jeu, t'insultes. Fils de pute, nique ta mère, je la baise. Oh. Et je te signale que t'as 40 ans. Et 40 ans, sortir des insultes comme ça, normalement, je sais pas, là, c'est... Ah, je sais pas, 40 ans, normalement, 40 ans, c'est l'âge... C'est l'âge de prendre, donner des bons exemples aux jeunes. Toi, tu fais tout le contraire. 40 ans. Et c'est l'âge d'avoir des enfants quand même. Hein? 40 ans, tu insultes. C'est quoi ça? Sache que Mathieu Brunel, c'est pas ton compte. Hein? C'est de l'usurpation d'identité. 40 ans, tu fais de l'usurpation d'identité. C'est inquiétant, il y a un problème. Ah, ça va pas, ça tombe pas rond dans ta tête. Hein? Et en plus, tu sais que je peux porter plainte pour ça. Et si tout le monde porte plainte, tu peux ramasser facile. Tu peux être dans la merde. Hein? Déjà, tu viens me les casser avec tu viens me les casser. Après, tu les casses à Tarek, Alexandre Paqui, Steven Marseille, Nissa Libri, et Tony ça. Et en plus, je sais quitter. Et en parlant de Tarek, Tony ça, Nissa Libri, ça t'a pas suffi? Surtout Tarek, ça t'a pas suffi de te faire terminer par mon collègue Tarek? Et en plus, tu reviens sur des faux comptes. Hallucinant. Eh, le prochain commentaire, haters, où tu sors des messages insultes, ou je sais pas quoi, je te jure, je m'occupe de toi dans ma prochaine vidéo, et je balance toutes les vérités. Alors tiens-toi, Caro. Ok? Je vais pas dire ton nom. Ah bref. Allez, on va voir, on est à combien? Ouais, c'est bon, nickel, ça tombe toujours, on est à presque 5 minutes. Bon, voilà. Alors, première mi-temps. Enfin, là, on va dire vite fait les petites compos, en sachant que je me rappelle pas trop. Ça s'est joué en 4-4-2, déjà, traditionnellement, au gardien, c'est Benaglio. À droite, c'était... je sais plus qui a joué à droite. Ah, je sais pas. Que je dise pas de conneries. Bon, après, c'est un match à oublier. Au centre, c'était Glick et Badiachil. À gauche, Henrich. À droite, Romain Fèvre.
Ah, c'est bon, j'ai retrouvé, voilà. Alors, en arrière droit, c'était Biancone. Voilà, Biancone. À droite, Romain Fèvre. Milieu, Aïd Benacer, Youri Tillmans. À gauche, c'était... Ah putain, j'ai oublié. Ouais, désolé si j'oublie. Hein. Et en pointe, Falcao et Silla. Bon, première mi-temps, tout dans les premières minutes. Commencez bien, il y a du beau jeu, voilà, il y avait de l'envie. Je me suis dit, bon, le prochain, c'est là-dedans. Ben non, c'est tout le contraire. À 10 minutes, à partir de la 10e minute, je me suis ennuyé. Je me suis fait chier, je me suis fait devant ce match. Un match aussi pourri, pas d'intensité. On finit une première mi-temps avec deux tirs, quoi. Deux tirs, les gars. Je me suis fait chier devant ce match pourri, je me suis fait. Les gars. Pourtant, voilà, on fait... On produit du beau jeu. Mais dans les 30 derniers mètres, il n'y a rien. Je sais pas, on bégaye, on a peur. Je sais pas, on a peur de faire la merde. Je sais pas, tirer de loin. Youri, toi aussi, frappe de loin, non? Je sais pas. En plus, t'as deux pieds. Et pour un droitier, tu tires bien du gauche, quoi. Tire un petit peu, non? Et Aïd Belasser, il a fait un bon match, hein, il a fait des belles passes, tout ce qui allait. Henrich, il commençait bien. Biancone, bon, après, je ne vais pas trop le juger, je ne vais pas trop pas taper sur les doigts. Hein, défensivement, ça allait en première mi-temps. Des moments, mais jusqu'à partir de la, vers la 30e minute, la défense, prenez-le. Prenez-le, on faisait plus rien, il y avait pas d'envie. On se faisait dominer, quoi. Et deuxième mi-temps, c'était catastrophique. Là, c'était une cata. J'ai failli m'endormir. Pareil pour la première mi-temps. Je sais pas. Il n'y avait pas d'envie, il n'y avait rien. Au contraire, on se faisait défoncer. Et Thuram. Le fils de la légende du football. Hein, de l'équipe de France. Le champion du monde 98 et champion d'Europe 2000. Et ben, il nous a mis la misère. Voilà. Tu veux savoir comment il nous a mis la misère? Il nous a bu, comme du jus de raisin. Hein? Putain, heureusement que j'ai terminé. Hein? Parce que un litre de jus de raisin, alors que je suis en manque de panacher, ça va me foutre la chiasse. Et la chiasse, je vais l'avoir durant Noël. Sympathique, ça. Hein? Ah, je vais devoir péter un coup. Ah, pas qu'un coup, mais des coups, quoi. Hein? Bon. En parlant de Thuram. Thuram, c'est lui qui nous a mis le but. Hein? Erreur défensive. Je crois que c'était Glick. Hein? Erreur de Glick. Défense à la ramasse. Bon, bah, Diachi, je vais pas trop le taper sur les doigts. Bien connaît, pareil. Défense à la ramasse. Qui dit défense à la ramasse, dit forcément contre-attaque. Et qui dit contre-attaque, face à face à Benaglio. Et qui dit face à face à Benaglio, dit forcément tir. Et qui dit tir, dit but. Et qui dit but, dit 1-0. Oh, les gars, faut vous sortir les doigts du cul, je sais pas, c'est toujours la même chose. Hein, toujours on se prend des buts sur des erreurs défensives. Toujours on se prend des buts sur des erreurs défensives. Et à un moment donné, j'ai envie de taper ma tête contre la rampe. Qu'est-ce que vous faites, les gars? C'est toujours la même histoire. Et en parlant de but, Nolan Roux. Ouais, Nolan Roux, tu sais, l'ancien joueur de Lille. Hein? Eh non, Nolan, il est pas roux, il est brun. Eh ben, Nolan, il nous a mis le but. Nolan Roux, quoi. Ouais. Eh ouais, par Nolan Roux, quoi. Hein? Pendant un moment, c'était un bon joueur, et là, c'est devenu une chèvre. Et quand j'ai vu que Nolan Roux a mis le but, ça m'a pas plu. Ça m'a foutu la rage. Eh ouais, on se prend des buts par des chèvres, quoi. Eh, t'imagines? Hein? Une équipe de chèvres qui se prend un but par une chèvre. Eh, j'ai jamais vu ça, quoi. Hein? Quand je vois ça, j'ai envie de... Voilà! Voilà dans quel état vous me foutez, les monégasques! Pas vrai, ça. Pas possible. Voilà? Je sais pas, là, déjà on se fait récuser par tout le monde. Hein?
Encore l'autre guignol qui va encore m'insulter. Hein? Entre les gilets jaunes qui bloquent tout. Et que résultat? Bah, le panaché n'est pas arrivé depuis je sais pas combien de temps. Et en plus, quand Monaco fait des défaites, hein? Ça me fait grave péter un câble, ça. Pas le moment de m'énerver. Surtout les haters. Surtout toi, là. Le haters de 40 ans, là. Je sais pas, pète un coup, non? Ah, je te parle gentiment, tu m'insultes. Pète un coup, toi aussi. Va boire un coup. Eh, tiens. Toi qui as l'habitude de clasher Monaco. Ah, je sais pas, va faire du panaché Monaco. Donne-moi-en. Bon. Les gars. Voilà. On va terminer le débrief. Avec les top et flop, bon, le top, je veux dire, Aït Bennacer. Hein? C'est le seul et unique joueur qui a tout fait. Et le reste, un scandale. Un scandale, les gars. Un pur scandale. Je sais pas, on termine l'année 2018. Voilà, je sais pas, on termine le dernier match de la première partie de saison de Ligue 1. On termine le dernier match de 2018 avec une défaite, quoi. C'est rageant, quoi. C'est inquiétant, quand même. Ah non, mais je sais pas. On passe d'une équipe voilà, qui me fait bander. Eh hey, là, je monte mou. Et là, je monte plus. Pas normal. Là, c'est pas normal, quoi. Là, je sais pas, c'est inquiétant. Faut tirer sur la sonnette d'alarme. Et aussi frapper du poing sur la table. Hein? Voilà. Voilà comment il faut frapper du poing sur la table. Tu veux que tu le refasses? Vas-y. Voilà. Ça, c'est frapper du poing sur la table. Sans oublier tirer sur la sonnette d'alarme. Ok? Donc Vadim, j'ai un message pour toi. Soit tu fais des efforts. Tu restes au club et tout va bien. Ça veut dire faire des efforts. C'est voilà, tu ramènes des bons joueurs. Hein? Tu ramènes de Taros, l'équipe de d'urgence, l'équipe de Grey's Anatomy ou je sais pas quoi pour que les joueurs arrêtent de se blesser, tout ira bien. Ou sinon, tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. Voilà. Parce que faire du business, c'est plus possible, quoi. Par foutre le club dans la merde, tout ce que tu sais faire. Voilà ce que j'attends de 2019. Que les blessures se cessent. Et qu'il y ait plus de victoires. Ok. Bon, sur ce, mes chers Monégascous, malgré tout, je vous dis, voilà, bon réveillon de Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël et bonne année. Et puis, quelle que soit la situation de l'AS Monaco, hein, qu'elle soit bonne, moyenne, mauvaise, voire critique, Dagué Monégou. Voilà, le rouge et blanc.